Cindy Cendrillon. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas maté un petit Cindy Cendrillon. Le Yuki. Allez, là, faites-moi des petites propositions. Alors, le Yuki, oui, c'est Richard Gottener. Papa You, c'est un peu des classiques. Le Sosie de Sardou, on l'a mis, évidemment. Je veux chanter. J'ai peut-être des horreurs. On s'était mis le clip de Bernard Thomas où, grande surprise, il y avait des femmes à poil qui faisaient des choses à la fin. On a frôlé le ban. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis pas tapé un petit Cindy Cendrillon 2002. Hein. Mais j'espère qu'il y a des time codes sur la vidéo. Alors pour celles et ceux vraiment qui débarquent sur stream, qui n'ont jamais été là, Cindy Cendrillon 2002, c'est sûrement la pire, donc la meilleure comédie musicale qu'on ait jamais connue. Vraiment. Hein. C'est sorti donc en 2002, comme son nom l'indique. Il y a quelques stars, hein, telles que Lame, Lame qui joue Cendrillon. Justement, Lame, on se suit. Hein. On se suit sur Twitter, on est des mutuals. Et des guests incroyables tels que Asia qui avait fait une Star Academy, Murray Head qui chante faux comme pas possible. C'est donc un Cendrillon qui se passe dans les temps modernes, voilà. Et il y a des, c'est incroyable. Il y a tellement de choses. Ah non, ils nous mettent juste le... Ok. J'ai pas m'énervé. Attendez. Elle nous fatigue avec sa gigue, un homme qui passe. Alors Murray Head, il savait chanter, mais dans Cindy Cendrillon. Il a pris la décision courageuse de désapprendre à chanter. Donc là, on va s'intéresser à un homme qui passe. Un homme qui passe, c'est la première chanson entre Cindy Cendrillon jouée par Lame et son père pilote de ligne joué par Murray Head. Et en gros, c'est un petit peu l'histoire dramatique d'une fille et de son père. Son père qui est parti, évidemment, qui a des enfants dans tous les ports ou dans tous les aéroports, en l'occurrence, mais qui aime quand même sa Cindy, quoi. Mais c'est terrible parce que Cindy est là, et également recherche sa mère. Donc, c'est vraiment déchirant. Déchirant, tout de suite. Ah oui, alors, et surtout... Alors, il faut savoir quand même que c'est... comment il s'appelle ? Luc Plamondon, qui est quand même à l'origine de Starmania, qui est aussi à l'origine de cette horreur. Franchement, au niveau des paroles, il se passe des choses extraordinaires. Regardez, là, j'ai mis à un endroit au hasard et on voit que les paroles, c'est un bon coup de pied au derrière, ça réveille et ça ne fait de mal à personne. Donc, on en est là. Ok, ben, c'est juste après, donc faisons-nous plaisir. J'arrive, hein, je vais juste chercher du e-liquide. Mais vous allez voir, hein, ça vaut vraiment le coup, restez. Tout de suite, un homme qui passe. Tu ne m'as jamais parlé de ma mère. Aujourd'hui, j'ai le droit de savoir. Imagine si tu meurs sans ma voix. Révéler le secret de ma vie. Tu es une enfant de l'amour. Tu es une enfant du voyage. Tu viens d'au-delà de la mer. Tu viens d'au-delà des nuages. Qui était-elle? Comment s'appelle-t-elle? C'était un oiseau. My body is ready. Elle était si douce et si belle. Tu me la rappelles aujourd'hui. Pour toutes les femmes que j'ai aimées à jour. J'ai toujours été alors qui. Alors attention, attention. Un homme qui n'a jamais donné d'amour. Attention. Un jour Superman, un jour Fantomas. Un homme qui s'efface sans laisser de trace. Fantomas, hein, fallait oser quand même. Moi, fille du soleil, toi qui venais du pays de la pluie. Là-bas, loin de Cuba. Te souviens-tu de mes bras, de nos nuits de détresse?
Ça, c'est la mère de Cindy, bien sûr. Qui nous plaît si fort, habite-t-il encore dans ton corps, ou m'as-tu chassé de tes pensées? Quoi? Pas même une chance sur un million, quelque part au monde, qu'un jour notre vie se rencontre. Moi, fille de la mer, et toi qui passes ta vie dans les airs. Pas même une chance sur un million, quelque part sur terre, qu'un jour nos chemins se rencontrent. Ah non, mais vous n'avez rien vu encore, hein? Vous n'avez rien vu. Attendez, j'avance un peu pour revenir sur Muriel quand même. Ah, est-ce que c'est loin? Échec de rime. J'ai déjà tenté de la revoir. Je ne te dirai rien, j'ai promis. Quelques mois après notre histoire, elle a pris Marie dans son pays. Pour toutes les femmes que j'ai aimées, un jour j'ai toujours été à l'homme. Oh là là, c'est vrai que... Oh non! Chaque fois que je pense à ton père, alors ça, c'est la matrone qui s'occupe de Cindy. Je le vois regarder la mer. Hein? Du long d'une très haute My body is ready. Le long de la côte irlandaise. Hein? J'ai senti mon corps traverser cette histoire aux galaxies. Alors attendez, là je recontextualise la chose, on va vivre ça ensemble, ça va être extraordinaire. Donc là en gros on vit avec les deux filles bourgeoises de la nouvelle prétendante au mari de, au père de Cindy qui veulent aller au bal de Ricky. Ricky, c'est le protagoniste masculin, le sujet amoureux de Cindy. Elles veulent aller au bal à Ricky. Le bal à Ricky, où on y danse la gigue, mais le problème, c'est qu'on y prend de l'ecstasy. Alors, attendez, je vais essayer de voir si on n'a pas loupé ecstasy. Non, c'est samedi soir au Galaxy. Ah, je sais plus. Non, c'est peut-être Disco Queen d'un soir. Bon, bref. Mais là, on va enchaîner avec une des meilleures chansons de cette comédie musicale qui est Manchester. Car Ricky, le sujet amoureux de Cindy, a une vie difficile. C'est un enfant de catin, comme on dit, comme l'expression le dit. Il a vécu dans les rues de Manchester et la vie n'a pas été tendre avec Ricky. Il va nous l'expliquer dans une chanson rock incroyable présentée par son manager. Ladies and gentlemen, the show business machine is proud. Et il y a une choré de ouf. J'aimerais bien vous la faire, mais je m'en souviens pas. We'll be right back.
les pubs de Manchester où mon père me traînait. Alors il y a des grosses lyrics là. Faire les concours d'amateurs en chantant des chansons à mon bois avec ma soeur au violon et mon frère à l'accordéon. Je savais danser la gigue pourvu qu'on me donne trois shillings. Et si on m'en prête une bière, je montais sur le comptoir et je montrais mon. Manchester, dans les pubs de Manchester. Oh là là. Et c'est comme ça qu'on devient chanteur. Dans une ville où y'a rien d'autre à faire que de devenir un footballeur ou un chômeur. Sur la route de Manchester, ma mère tenait un sandwich où s'arrêtait la tracade. Wow. Et les filles qui faisaient du stop. Moi j'étalais le ketchup sur les hot dogs, les hamburgers, en mettant de la musique pop dans le jukebox à trois couleurs pour couvrir les rires de ma mère qui s'offrait au camionneur dans le jardin en arrière sur la route de Manchester. C'est la route de Manchester. Et c'est comme ça qu'on devient chanteur dans une ville où y'a rien d'autre à faire que de devenir un footballeur ou un chômeur. Attention. Dans les clubs de Manchester, je n'avais pas d'autre recours que de jouer les rockers. Hey. Dans un groupe appelé les. Non, vous êtes pas prêt pour le break. C'est dans un parcours petit jour, couché sur un banc vert. J'ai connu mon premier amour quand elle m'a brisé le cœur. Alors j'ai pris ma guitare, j'ai marché jusqu'à la gare. J'ai dit goodbye à Manchester. Attention. Comment? Partout où je vais, je plais. Hein? Je suis le chanteur anglais. Je fais ce qui me plaît. Quand on vient du nord de l'Angleterre, on part sans regarder en arrière. Mais on se rend compte un jour qu'on a laissé son cœur dans les rues de Manchester. Dans les rues de Manchester. Sublime. Tu vois, je t'avais dit, écris. Ah non, écris ta vie, c'est dégueulasse. Ça marche. Bon, attendez. La prochaine fois, écoute-moi, fais comme je dis. Ah si, alors. On va bien maintenant faire connaissance. Alors là, on voit l'autre intérêt amoureux de Ricky, joué par Juliette Bérard. Elle connaîtra un destin funeste. Mais ça, on va en reparler en deuxième partie de comédie musicale. Wow. Wow. Merci MLDEC pour les 5000 bitcoins en ce moment. Tellement magique. Avec le golden. Wow. Mais tout d'abord, on a la haute couture full camp. Car en fait, la matrone, la marraine, entre guillemets, de Cindy, connaît un haut couturier qui s'appelle Gontran. Et le problème de Gontran, c'est que les gens, en fait, ne sont plus assez riches et n'apprécient plus la haute couture. Alors oui, on l'appelle tendrement dans le milieu Gay Coluche. Vous comprendrez pourquoi. Réveillez-vous, nous avons rendez-vous avec Gontran le couturier. Pourquoi maman Gontran le couturier s'intéresserait-il à nous? Je lui
lui prêter de l'argent quand il n'avait pas un sou. Dans une autre vie où j'étais plus star que lui. Plus star que lui. 3, 4. Hello, ma chérie, comment va la vie? On ne s'est pas vu depuis des décennies. Je suis un peu surpris de vous trouver ici. D'après les échos, je vous voyais plutôt ami, ami. Nous, Acapulco. Ah. Mais vous avez toujours autant de glamour. Oh, merci, merci, c'est vraiment My body is ready. Vous me ramenez mes plus belles années. I love you, racontez-moi tout. Ma cadette Pétula, mon aîné Tamara, à qui j'ai donné la meilleure éducation. Mais depuis, elle passe sur vide devant la télévision. La première appris le ballet. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Et quand bon, même qu'on ait pu sortir ça, quoi. L'opéra. Hein? Et de notre amitié, je vous prie de m'aider. Je suis une femme ruinée. Je mets deux filles à habiller pour une grande occasion. Comprenez ma situation. Je ne peux pas vous payer. La haute couture fout le camp, les gens n'ont plus d'argent. La haute couture fout le camp, adieu Saint-Laurent. Sauf pour les princesses du Moyen-Orient. Le niveau s'abaisse énormément. Mais moi, comment je paye mon loyer? Hein? Je peux vous prêter du prêt-à-porter. Du prêt-à-porter de supermarché. Ou alors venez à mon atelier où vous choisirez. Je vais mettre musique en catégorie. Mes modèles de l'an dernier. Pas de l'an dernier. Mais ma collection de l'an dernier n'est pas démodée. Elle n'a même pas été portée. La haute couture fout le camp. La mode est démodée. La haute couture fout le camp. Les codes ont changé. Les femmes ne s'habillent plus right pour sortir dans la rue. Elles se promènent toutes nues sur les plages, m'as-tu vu? Et sa vie, même pas le soir à l'opéra. Je vous prépare un paquet que vous me ferez livrer. Vaut mieux pas qu'on sache où vous habitez. N'avez-vous pas quelqu'un pour venir le chercher? Cindy adore les transports hein? En commun. Alors qu'elle vienne ce jeudi matin. Là. Et place à Gontran. Énorme. Alors on bascule on bascule sur Disco Queen d'un soir, je crois. Du rose, KO, je l'aime en secret, pourquoi pas moi? Welcome to the Galaxy. Moi, je vous conseille de regarder l'intégralité hein, de cette comédie musicale qui est quand même extraordinaire. On va passer sur la partie 2. Cindy loves Ricky, racontez-moi KO. Cindy, tu as montré l'audition. Deux femmes qui aiment le même homme. Rave Party. Rave Party, on va bien évidemment... Ça, c'est deux femmes qui aiment le même homme. On passe tout de suite à Rave Party. Donc Rave Party, c'est le problème. En gros, vous le savez, Ricky danse magnifiquement bien la gigue. Et les deux filles, donc Pétula et je ne sais plus qui, Pétunia et machin, veulent aller en Rave Party pour rencontrer Ricky et faire la fête. Le problème, c'est qu'en Rave Party, on y prend souvent de l'ecstasy. Donc leur mère n'est pas d'accord, ce qui va créer cette énorme tension familiale. Merci Gardien des Arcanes pour le tier 3, Monkiniko pour le tier 1, Tipex pour le tier 1, Kaspa, SM Shinryu. Merci Aishu TV pour le host, désolé, merci beaucoup mec, des bisous. C'est tellement le feu avec les alertes, on loupe, je loupe 90% des trucs. M Shantaru et Nulsram, merci également. Allez, c'est parti. Non, la conf, on a une demi-heure, c'est bon.
ça va être pile poil. On aurait dû commencer par là. Je suis sûr qu'on serait encore 50 000 si on avait commencé par Cinti. Ah merde, je suis encore en train d'enregistrer. Désolé YouTube, on a arrêté de jouer à Reigns. Oh merde, j'avais oublié ça. Qu'est-ce qui se passe ? My body is ready. Tous les matins, quand j'ouvre l'œil, qu'est-ce que je vois ? Un mur. Ah oui, c'est dur de vivre contre un mur. Je vous la laisse un peu et on passe à autre chose. Hein. Un mur, toujours le même mur. Et je frappe dedans, personne ne m'entend. Dur. Vivre contre un mur. C'est vrai que le bassiste, il se donne. Hein. Je frappe dedans, personne ne m'entend. Dur. Vivre contre un mur. Alors. Laissez-moi vivre ma vie. Allez, on va passer à une des musiques les plus puissantes. La musique la plus puissante, enfin dans le top 3 de Cindy. C'est Salo, en effet, interprété par Juliette Bérard. Salo, c'est tout simplement la promise de Ricky, qui se retrouve au bout de sa vie avec des envies de suicide, car elle a bien compris que Ricky en pinçait pour Cindy. C'est ma chanson préférée, car vous avez vu, hein, vous avez compris maintenant que Cindy Cendrillon 2002 met le niveau très très haut en termes de paroles. Et ici, alors oui, Usual Origins, voilà, vous en parlez, c'est évidemment Walmart qui m'a fait connaître sur E-Live cette comédie musicale. Et Walmart l'avait, c'est sa comédie musicale préférée, évidemment, avec Usul. Hein, Usul l'avait déjà présenté. Donc bref, oui, elle apprend donc en fait Ricky en pince pour Cindy. Et elle est au bout de sa vie, cette pauvre, je ne sais plus comment c'est quoi le nom de son perso, je sais juste que c'est Juliette Bérard qui chante. On va vivre donc le tragique destin. De cette musique Salo. Et donc, les paroles sont extraordinaires car l'intégralité des paroles de cette musique rime en axe ou en al. Bethesda, c'est à 3h30. T'es plus beau de tous les salauds que la. Ah, les refrains, pardon. Non, mais les refrains sont extraordinaires. Satisfait d'avoir ma peau, il te fallait. Et mon sang, mes os. T'as mis de l'eau dans mon regard. Du brouillard dans mon cerveau. Mais fallait-il qu'on se sépare à coups de couteau dans le dos, Salaud. Attention. Ce mot que je te faxe, je veux qu'il te fasse mal, comme un solo de sax. Dans un slow minimal, ce mot
que je te faxe. Et s'il m'était fatal que tu en souffres max. Dans ton corps d'animal, ce mot que je te faxe est un bilan final, sans détour, sans détaxe, d'une histoire infernale. Ce mot que je te faxe, moi qui écris si mal, faudra ma syntaxe, ton sourire machinal. De ton 30e au mur de verre, tu regarderas dehors. Elle se donne en plus, Juliette Bérard. Tu imagineras mon corps étendu dessous la terre. Tu caresseras mon visage qui sera déjà de glace. Et puis tu tourneras la page de ton carnet de chasse. Salaud. Salaud. Ce mot que je te faxe de mon lit d'hôpital, blanchi comme à l'Ajax, hein? Au soleil matinal, je veux qu'il te désaxe, hein? Qu'il t'atteigne comme une balle qui touche en plein thorax. Sans tuer l'animal, ce mot que je te faxe est un cri terminal. Je le relis, relax, sur l'écran digital. Piquez-moi. Hein? Que j'atteigne le climat. Quoi? De cet amour fatal, achevez-moi l'endroit. Hein? Ce mot que je te fasse, je veux qu'il te fasse mal. My body is ready. Comme un solo de sax, dans un slow minimal. Ce mot que je te fasse est un bilan final. Elle se donne, hein. Elle se donne, Juliette Bérard. Voilà, là, c'est Gontran qui dit « Petit ange parti trop tôt, rip ». Ah, mais là, on enchaîne avec des hits. Donc là, on a la chanson d'adieu de Gontran. Et ensuite, on enchaîne avec la deuxième chanson phare de Cindy Cendrillon en 2002. C'est le Cocaine Express. Quand le manager se rend compte, en fait, qu'elle est décédée. Mon enfant. Petite étoile filante, bel oiseau de jeunesse, le monde envie ta beauté, ta richesse. Mais toi, tu voulais chanter, faire du cinéma. Putain, qui ne t'a pas donné. Putain. C'est beau. Et je t'ai poussé trop loin sur les chemins de la gloire. J'ai fait de toi ma star et je suis seul, tout seul. Allez, dans 7 minutes, c'est le pré-show de la conf. Terrible. C'est parti pour le Cocaine Express. Sa jeunesse au soleil de minuit. Elle voulait fuir
détresse. My body is ready. Détresse de petite fille qui voyait sa vie comme un conte où il est interdit de grandir. Montez tous à bord. Tous à bord du train de la mort. Montez tous à bord du Cocaïne Express. C'est le grand départ pour le voyage au bout de la nuit. Un voyage sans retour sur le Cocaïne Express. Est-ce que toucher l'infini? Quelle avait pris Allez, 5 minutes, 5 minutes. Pour prolonger l'ivresse de ces nuits d'insomnie. Partout la même grand-mère, dont elle était la prêtresse. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme micro? Ah non, je sais pas. Enfin, c'est des tours de tête, mais... Montez tous à bord. Tous à bord du train de la mort. Montez tous à bord du Cocaïne Express. C'est le grand départ pour... Ah, attention, là, il va monter haut. Il va montrer que c'est un chanteur vocal, quoi. Ah non, pas encore. Que lui en fait c'est le chanteur à voix du truc. Attention, chanteur à voix. Pour les quelques personnes qui ne connaissaient pas Cindy Cendrillon 2002, j'espère que voilà, vous êtes contents d'avoir eu un aperçu, un short glimpse, comme on dit, de ce monument, hein, de ce monument de comédie française. Hein, évidemment, c'est sorti à la suite. Vous savez, quand la comédie française, à l'époque, la comédie française en 2002, c'était un petit peu le battle royal de la chanson. Il y avait eu Notre-Dame de Paris qui avait tout pété, donc il y en a eu 40 milliards. Ah, bref.